années, de nouvelles opportunités, mes amis. Que nous commencions tous de nouvelles histoires avec le Seigneur, telles que Naomi et Ruth ont eu à refaire leur vie sur la terre de Bethléem et Fata après des moments de pleurs à Moab. Que 2022 soit une année d'excellence, une année de nouvelles opportunités, de nouvelles portes que nous gagnons dans les champs des Boaz pour finir, n'est-ce pas, comme Madame Boaz, des grandes femmes d'affaires, des grands hommes d'affaires, des grands hommes de Dieu, des grands ministres de Dieu. Que les centres de Dieu vous bénissent. En tout cas, bonne année 2022. Que Dieu vous bénisse richement. On est ensemble.